YouTube. En fait, je me suis lancé un challenge en cette année 2018. J'ai décidé de prendre soin de ma belle peau africaine, la valoriser, l'entretenir, en prendre soin quotidiennement au maximum. Donc, je me suis dit, je vais tester des produits cosmétiques, industriels et des produits naturels bio pour pouvoir nourrir ma peau, l'entretenir, la valoriser. Donc, j'ai commencé le challenge, ça fait pratiquement 2 semaines. Et je pense que pour ceux qui ont suivi des vidéos précédentes, il y a quand même quelques améliorations, il y a quand même une certaine transformation qui se laisse déjà voir sur mon visage. Mais c'est pas fini, le challenge continue. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous faire une vidéo. Je vais vous montrer 2 astuces, 2 techniques, comment je fais du gloss et du rouge à lèvres. La première partie de cette vidéo, en fait, consistera à vous montrer les 2 astuces, en fait, que j'utilise pour pouvoir faire le gloss, parce que je fais le gloss de 2 manières. Il y a une première technique et une deuxième technique. Donc, quant à la fabrication du gloss, et la deuxième partie de cette vidéo consistera à vous montrer comment je fais du rouge à lèvres réparateur des lèvres. Vraiment, astuce très simple, rapide à faire, et je pense que vous allez aimer cette vidéo et que vous pouvez la partager au maximum pour celles et ceux qui veulent prendre soin de leurs lèvres aussi naturellement que possible. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté de la caméra. Ok, on se retrouve dans la salle de bain que vous connaissez pour pouvoir vous montrer comment je fais le gloss. Comme je vous l'ai dit, j'ai 2 techniques pour faire le gloss. Il y a la technique la plus rapide et la technique qui prend juste quelques minutes pour pouvoir faire le gloss. Je vais d'abord commencer par la première technique. En fait, il faudrait que je sois dans une salle de bain parce que j'ai également besoin du miroir pour regarder comment je l'applique et autres. Donc du coup, pour faire le gloss, c'est pas compliqué. Des produits que je vais vous montrer sont des produits, je pense, que vous connaissez, que vous avez sûrement chez vous. Vous avez peut-être 1 ou 2 produits que je vais vous montrer avec lesquels j'utilise pour faire du gloss avec. Je pense que vous les avez déjà chez vous. Donc la première chose dont vous avez besoin pour faire du gloss, c'est déjà fard à paupières. Donc moi, j'ai ces fards à paupières. J'aime bien ces couleurs, en fait, parce que ça correspond au type de gloss que je veux. Donc je n'ai plus besoin d'aller dans un magasin cosmétique pour m'acheter un gloss. J'ai déjà ma palette de fard à paupières que j'utilise, peu importe, mais moi c'est du bronze, donc ça a déjà de la brillance. Pour faire du gloss, j'ai également besoin du miel, mais c'est aléatoire, hein? C'est optionnel. Tout le monde, vous n'avez pas forcément besoin du miel pour pouvoir faire du gloss, mais moi, si j'utilise du miel, en fait, c'est parce que je vais adoucir mes lèvres et puis les hydrater. Donc c'est pour ça que j'utilise le miel pour faire du gloss. C'est la première chose, en fait, que je vous recommande d'avoir de la vaseline. Ok, la deuxième technique que j'utilise pour faire du gloss, c'est du chocolat. Donc je vais vous montrer comment je fais le gloss à base du chocolat. Donc avec de l'eau bouillante, je vais faire fondre mon morceau de chocolat. Je vais vous faire un résumé de ce que j'ai utilisé, vaseline, miel et les fards à paupières. C'était la première méthode. La deuxième méthode que j'ai utilisée, en fait, c'était de prendre du chocolat, que nous mangeons du chocolat, et prendre un morceau de chocolat, le faire fondre dans un récipient, et ensuite mélanger de la vaseline, soit ajouter du miel. Si vous ne voulez pas ajouter du miel, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi, j'ai mélangé du miel, de la vaseline, avec un morceau de chocolat. Donc, j'ai récolter cette texture là, chocolat fondu avec de la vaseline, et on obtient ce résultat. Je vais le repasser. C'est ce qu'on obtient, cette texture. Très bien, vaseline mélangée. J'applique un peu plus, un peu trop là. Ça, c'est la texture au chocolat. Ensuite, j'ai également utilisé les fards à paupières de couleur.
couleur rose. J'ai également utilisé pour pouvoir faire mon gloss. Donc j'ai utilisé cette couleur pour pouvoir avoir une texture rose. Cette texture rose pâle met vraiment très bien, qui va vraiment nourrir vos lèvres, lutter contre l'irritation. Vraiment, c'est un gloss réparateur de son lèvres que vous allez avoir en moins de 2 minutes, très rapide à faire. Donc il y a ça. Le dernier, en fait, qui était, je pense, le premier que j'ai fait, c'était cette couleur. On obtient ce résultat. Je préfère celui-là parce qu'en fait, il est vraiment. Ça passe très bien avec la couleur de mes lèvres. Donc, si je ne veux pas mettre du rouge à lèvres, je peux directement mettre le gloss. J'adore, c'est très bien. Donc du coup, je pense que j'ai terminé avec cette première partie de la vidéo et je vous ai présenté le résultat. Je pense que vous pouvez l'appliquer chez vous, vous pouvez utiliser cette astuce de fabrication de gloss. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Valpo Essentiel Afro. J'adore, au revoir et à très bientôt.